Olivier Giroud entre Colomani et Marcus Thuram. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de voir qui peut remplacer Olivier Giroud à l'attaque des Bleus. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est fait, on est parti. Alors, Olivier Giroud s'est blessé lors du match face à l'Irlande et il est rentré sur Milan se soigner. Du coup, donc, Deschamps doit systématiquement le remplacer. On parle de Colomani, mais aussi Marcus Thuram. Moi, j'aurais souhaité voir Marcus Thuram. Je pense qu'on connaît déjà davantage les qualités de Colomani, mais Marcus Thuram, je trouve que c'est un profil que j'ai du mal vraiment à détecter. Moi, je le vois plus. Je le vois plus un mec costaud qui est capable de jouer en déviation, un peu comme Olivier Giroud. Je vois beaucoup son profil similaire à Olivier Giroud. Après, Colomani revient de blessure. Est-ce que Deschamps va prendre le risque de lancer Colomani directement? Ça, on n'en sait rien. Mais moi, j'aurais souhaité voir davantage Marcus Thuram avec les Bleus. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.